J'avais envie de rigoler. Alors les amis, Samy Nasseri, vous connaissez Samy Nasseri? Samy Nasseri, c'est un très grand acteur français qui avait joué dans Rai, je crois. Ma cité va craquer, je ne sais plus. Dans Taxi. Taxi, incroyable. Et puis, c'est tout, en fait, voilà. Je ne sais même pas s'il a joué dans le dernier Taxi, parce qu'il devait être trop bourré. Il est surtout connu pour ses frasques. Alcoolims, taper des gens, s'embrouiller, couteau, je sais pas quoi. Enfin, voilà, c'est le mec de base, en fait. Hein. C'est, il est de base, lui. Il est de base, voilà. De base. J'ai rien dit, d'accord? Mais voilà, il est très très quoi, il est très très, voilà. Donc Samy, a priori, il s'est apaisé. Hein, on a entendu ça il y a quelques temps, j'ai entendu ça, parce que je suis beaucoup l'information, l'actualité, etc. Et du coup, j'avais entendu que Samy Nasseri, il était dans une bonne phase, qu'il avait arrêté de picoler, etc., qu'il allait mieux, et ben il est de retour les gars. Samy est de retour. C'est part, on va regarder. Ah, qu'est-ce qui se passe, Samy? Petit coquin de Samy. Alors, mon bon Samy, qu'est-ce qui se passe? Il nous annonce quelque chose d'incroyable. On va regarder ça. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander à quand le retour de Samy Nasseri. C'est très très bas. Ok. Ok. Le cinéma. Eh bien, c'est chose faite, les amis. Oui, c'est chose faite. Attends, vous n'avez pas entendu le début. C'est essentiel. C'est essentiel, pardon. Excusez-moi, petit réglage en direct. Ça arrive, ça arrive. Vous avez été nombreuses oui. Et nombreux à me demander à quand le retour de Samy Nasseri au cinéma. Eh bien, c'est chose faite, les amis. Oui, c'est chose faite. Et en exclusivité pour vous, aujourd'hui. En tout cas, il y a des toutes nouvelles dents parce qu'il n'est pas encore habitué. Il n'arrive pas à parler avec ses nouvelles dents, on dirait. Il est comme ça. Vous voyez, regardez, il est un petit peu gêné. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander à quand le retour de Samy Nasseri au cinéma. Eh bien, c'est chose faite, les amis. Oui, c'est chose faite. Et en exclusivité pour vous, aujourd'hui, je vous fais découvrir la pré-affiche de mon prochain film, où je serai acteur, mais aussi réalisateur. C'est une comédie satirique. On tourne dans le Luberon, sud de la France. Et vous avez été On va tourner dans le Luberon. Alors, c'est une pré-affiche. D'accord. C'est-à-dire que le film n'est pas tourné, ils ont déjà une affiche. Et puis, l'affiche, elle a l'air très chelou. C'est-à-dire que, honnêtement, l'affiche MDR avec une typo que normalement on n'a plus le droit d'utiliser depuis 1999, je crois. Voilà. Elle était périmée. Le 1er janvier 2000, c'était fini. On n'avait plus le droit d'utiliser cette typo. Là, c'est très compliqué, cette typo. Ok, mort de rire. Le dessin derrière, en fait, c'est un espèce de tableau ou une photo de paysage. Je pense que c'est plus un tableau qui a été en plus passé par des filtres Photoshop dégueulasses de base, d'accord. Et ils ont mis comme ça un espèce de pansement au milieu avec marqué les réalisateurs, parce que Samy va être réalisateur et acteur, et aussi les noms des acteurs. Hein, alors on va regarder la liste des acteurs. Samy Nasseri va tourner son premier film en tant que réalisateur avec Jean-Marie Bigard. Incroyable Jean-Marie. Incroyable Jean-Marie Bigard. Les cubis vont voler, je peux vous dire, entre lui et Samy. Les cubis vont... ça va être la danse du cubi. Chantal là-dessous. Incroyable, Chantal là-dessous aussi. C'est... on est sur... est-ce qu'il va être tourné dans un EHPAD, son film? On ne sait pas. Victoria Abril. Ah, Victoria. Est-ce que ça tient encore? Parce qu'elle doit être à son 17e lifting. Ou un truc comme ça, notre bonne Victoria. Jean-Pierre Castaldi. Je crois qu'il est Jean-Pierre Coff. Non, Jean-Pierre Coff est décédé. Mais voilà, pareil, Jean-Pierre Castaldi, c'est compliqué, d'accord? C'est très compliqué, Jean-Pierre, je crois qu'il n'arrive plus à marcher. D'accord. Et Stubby Bugsy. Là, si je m'y attendais, Stubby Bugsy. Alors là, si je m'attendais à ça... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh, mais on dirait un casting de télé-réalité, le machin. Pourquoi pas Loana, je sais pas, qui d'autre? Joey Star. Non, Cool Chain, parce que Joey Star, lui, il a une petite carrière. Cool Chain, il est plus dans l'oubli. Patrick Bruel, pourquoi pas. Plastic Bertrand, ce serait bien. Le père Fouras, Passepartout. Je sais pas, Jean-Marc Morandini, Philippe Rizzoli.
Voilà, on pourrait ramener Philippe Risoli, pourquoi pas? Sylvain Durif, je ne sais pas. Un mec qui demande s'il n'y aura pas le Mat dans le film. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Non, on rigole pas avec Pierre Palmade. On n'a pas encore le droit de rire avec Pierre Palmade. Le temps n'est pas passé encore. Il y a un temps normalement de solennité à respecter. Alors, j'ai trouvé le TikTok de Samy. Hein, du coup, on a la vidéo en entier. On va pouvoir continuer la vidéo. Hein, d'accord. Et on va se régaler. Et pour m'accompagner dans ce film, Chantal Latsou, incroyable, Victoria Abril, Sofia Athéna, Jean-Pierre Castaldi, Jean-Marie Bigard, Laurent de Funès, le petit-fils de Louis de Funès. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'il y aura le beau-frère de Bourville? Attendez. Attendez. C'est dingue, en plus, il lui ressemble. Il lui ressemble à Louis de Funès, c'est dingue quand même. Les gènes ne mentent pas. Hein. Il y a un truc. Hein. Après, j'imagine que les photos qui sont utilisées, donc populaires de lui, sont celles où il ressemble le plus à Louis de Funès, on va pas se mentir. Mais il y a quelque chose dans le regard, hein, vraiment, même dans la bouche, là, pincée comme ça, c'est assez drôle. Ben Badra, Afif, Tristan, Dylan, Stommy, Bugsy. Attends, Stommy, Bugsy, pitié quoi. Ouais, j'ai regardé les photos, il est encore bien conservé. Francis Renaud. On a décidé, moi et mon équipe, de vous partager des lives, des vidéos chaque jour. Ah oui. Oh, s'il te plaît, Samy. Puisque c'est un moment exceptionnel, puisque c'est mon premier film. Je n'ai jamais fait de réalisation. C'est sûrement le dernier. Je suis désolé, mais là, ça sent vraiment pas bon, Samy. Après, je sais pas. Ça se trouve, il va nous sortir un chef-d'œuvre, une masterpiece. Le nouveau Père Noël est une ordure. Le nouveau Papy fait de la résistance. Le nouveau Visiteur. On ne sait pas. Le nouveau Dîner de con. Je sais pas. Une dinguerie. C'est possible. Tout est possible. C'est quoi la meilleure comédie depuis le Dîner de cons? Qui a repris le flambeau de tous les films que je viens de citer juste avant. Il n'y en a pas eu, je crois. Je crois que depuis le Dîner de cons, il n'y a rien eu. Hein. De vraiment, tu crèves de rire. Peut-être tu Pattaya ou Medellin. Non, je rigole. Un film de Michael Youn. Un film avec genre des Segpa qui filment des Segpa faire les Segpa. C'est ça les nouvelles comédies en France maintenant. C'est tu prends des mecs qui viennent de YouTube, qui font les Kaira débiles, sous te chie comme ça et qui font voilà, j'ai pas compris, madame, monsieur, j'ai pas compris. Et t'es supposé être là. c'est hilarant. Mais qu'est-ce que c'est drôle. J'ai toujours fait l'acteur. Ouais. Et donc, j'espère que vous serez nombreux à suivre ce tournage. Bye bye. See you again. C'est tout. Attends, on va regarder l'autre TikTok. Je veux l'autre TikTok, moi. Franchement, il a l'air de se mettre bien. Ça fait bien plaisir. Il a l'air de se faire des petites vacances. Il veut conduire des belles voitures, il a des belles fringues, il mange dans des belles brasseries. Franchement, ça va. Franchement, ça fait plaisir parce que autant qu'il se la donne, autant qu'il se la kiffe. Franchement, j'ai rien contre ça. Je préfère ça que de le voir en déshérence, dans la misère sociale, affective et matérielle. Voilà. Bon, on va rien dire d'autre. On va suivre cette aventure avec délectation. Malheureusement, je ne suis pas sur TikTok. Donc, s'il y a des vidéos qui sortent du tournage, n'hésitez pas à me les faire connaître. Je voulais juste partager cette petite info. C'est rapide, c'est vite fait, c'est F2 News. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, mettez un pouce, un like. À plus tard.